sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Pour les personnes qui passent par ici, pensez à vous abonner si vous en avez envie. Allez aussi me follow sur Instagram, d'ailleurs je vais organiser un concours juste après cette vidéo, donc allez me follow sur Instagram, AyamoraYTB, et vous pouvez aussi me follow sur Twitter, c'est la même chose, AyamoraYTB. Pour la vidéo d'aujourd'hui en fait, c'est un petit mélange de tout hein. Il va y avoir, je pense que c'est vraiment un petit mélange de tout, mais je voulais vous parler surtout d'un produit trop bien. J'ai reçu ça, on m'a contacté donc, et on m'a envoyé ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est? Vous savez ou pas? Alors je vous explique. Il y a une marque qui m'a contacté, donc ça s'appelle Les Gargouilles. C'est une alternative saine et écologique à la lessive. Donc en fait, apparemment, ça peut laver le linge. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer. On va voir ce que ça donne parce que je trouve ça intéressant. Pourquoi? Moi, personnellement, quand j'ai emménagé toute seule, il y a certaines choses que je trouvais hyper chères. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la retrouver. Je vais mettre là ou là. Je ne sais plus où ça va arriver. Vous pouvez la retrouver. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'était vraiment... La lessive, ça fait partie des choses que je trouvais le plus cher. 10 balles, autour de 10 balles, le bidon de lessive. Donc, vous vous rendez compte à quel point c'est cher. Ça, là, ça peut durer 4 à 5 ans, si j'ai bien compris. Donc, il y a marqué... Économiser jusqu'à 1040 €. 1040 €, c'est pas négligeable en lessive. Donc ouais, 4 à 5 ans, hein, si je comprends bien. On peut faire je sais pas combien de machines avec. Alors, placez vos garous directement dans la machine avec vos vêtements. Température maximale 60 degrés. Moi, il n'y a pas grand chose que je lave à 60 degrés. Hein, perso, j'ai pas envie de rétrécir mes vêtements. Quoi d'autre? Longévité. Ouais. 1500 lavages. Donc 4 à 5 ans. Et c'est recyclable. Donc ça veut dire une fois que vous avez fini d'utiliser, donc une gargouille, on va me dire ça dure 4 à 5 ans. En tout cas, moi je l'ai testé. Là, je vais faire une machine et à la fin, vous allez voir, je vous dirai si c'est bien lavé ou pas. Donc je le place au milieu, je vous prends avec moi. Parce que vous allez voir, j'ai une tonne de lessive à faire. Vous voyez tout ça là, c'est ma lessive. Donc du coup, ça va me donner l'occasion de tester la gargouille en question. Du coup, c'est parti. Je pense que je vais faire une lessive un petit peu colorée et gris. Enfin, je vais voir. En tout cas, je vais pas prendre de blanc. Et je vous dirai si ça marche après, après la lessive. Bon, là, on est dans ma buanderie. Hein, donc, il n'y a pas de lumière. C'est pour ça. Je vais régler le truc. Donc, j'allume. Je vais mettre en express. Je vais faire... Non, je vais mettre à 20 degrés. Intensif, rinçage et intensif. Et c'est parti. Donc il y a la gargouille dedans. Je sais pas si on va la voir. Bon, en tout cas, bref, la gargouille est dedans. Je laisse à laver et je vous dis après si c'est propre ou pas. En attendant, bah tiens, je vais faire une perruque. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a Sadame R qui, en plus de m'avoir envoyé une perruque, m'a envoyé une frontale. Donc aujourd'hui, je vais m'atteler à faire ma perruque avec, donc Sadame R. La frontale est trop belle, je sais pas si vous voyez, mais elle a l'air trop lisse, trop bien. Par contre, il y a plein de petits cheveux, je sais pas, c'est un peu bizarre ça, mais je pense que ça ira quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une wig avec mes mèches grises et je vais colorer. Je vais décolorer ça et le colorer en gris. Et là, pareil, les racines aussi, elles sont un petit peu trop foncées. Donc, je vais décolorer ça et voir comment je peux arranger le truc. Parce que là, c'est une closure plutôt. Et moi, j'aime pas les closures. Je supporte pas les closures. Donc, je vais mettre une frontale pour pouvoir utiliser ma mèche. Pendant donc que la machine est en train de tourner, moi, je vais faire... je vais me faire un petit déj, je vais manger et voilà. Après ça, je vais aller vérifier, voir si les gargouilles ça fonctionne vraiment. On va voir, de toute façon, on va voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, ce sera journée grand ménage, donc lessive, repassage, ranger les vêtements, tout. Ce sera vraiment tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais filmer une partie, comme ça vous voyez, mais pas tout, parce que c'est quand même ennuyeux de voir quelqu'un faire son ménage. Pour Sadame R, c'est ça, c'est une 18 pouces que j'ai pris. Donc ça va, elle est quand même assez longue pour une 18 pouces. Vous voyez? Et j'espère qu'elle va tenir la résistance à la décoloration. Comme ça, j'aurai une jolie perruque en plus à mettre et une nouvelle couleur parce que gris, je ne le mets pas souvent. Et
Si jamais vous voulez, la fluidité est top. Et si jamais vous voulez, je vous mettrai tout en barre d'info dessous. Il met toujours ouverture facile sur les trucs comme ça, alors que c'est hyper chiant à ouvrir. C'est pas du tout facile. Hâte de voir ce que ça donne hein, quand même les gars, oui. Si ça marche vraiment, c'est révolutionnaire moi je trouve hein. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je mange, après je regarde ma lessive, ensuite je fais ma perruque. Dans tout ça je dois trouver un moment pour faire le ménage parce que là ça craint chez moi, c'est vraiment n'importe quoi. Ranger mes vêtements, faire un tri, c'est vraiment une grosse journée ménage aujourd'hui. Bon là je me suis fait un truc tout simple, hein. Œufs brouillés, bacon, avec un petit fruit et des toasts. Et après c'est parti pour la journée. Comme vous pouvez le voir, les gargouilles ont trop bien fonctionné. Le linge est bien propre. Donc là j'ai relancé une machine parce que bah, comme je vous ai dit, c'est journée ménage aujourd'hui. Surtout n'oubliez pas que sur ma page Instagram je vais organiser un concours pour ceux qui veulent gagner des gargouilles. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Insta ayamorayTB. Si jamais vous voulez participer au concours. Voilà. Hello YouTube, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Faites pas gaffe à mes cheveux. Hein. Ce soir, je reçois du monde, donc je suis juste pas prête. Tu veux venir faire coucou? Tu peux monter là si tu veux. En entrée, j'ai prévu rouleau de bacon, chèvre chaud miel. En plat, magret de canard accompagné de son risotto et de ses légumes glacés. Et en dessert, mangue rôti accompagné de sa petite bûche. Je te sors des grands noms alors que... Tu veux dire un mot, Elijah ? Coucou la famille. Tu peux parler plus fort, ils t'entendent pas. Coucou la famille. On t'a pas non plus demandé de crier. Let's go ? Oui, c'est parti. Allez, maman elle commence à cuisiner. C'est parti. Dans les vidéos, on met les doigts dans les côtés pour dire c'est parti. Ah bon? Oui. T'as vu ça où? Moi, je sais pas. C'est parti. C'est parti. Maman va faire à manger là. Tu fais quoi toi? Moi, je vais t'aider. Tu vas m'aider? Oui. T'es sûre? Oui. T'es sûre de toi hein? Oui. Parce que j'ai pas besoin d'aide hein. Tu peux retourner regarder Bob l'éponge si tu veux. Ouais, j'ai pas besoin d'aide. T'as vu ça, c'est des oignons. Je découpe en tout petit. Par contre, tu peux me regarder. Hein, comme ça, tu vas apprendre à faire à manger. Si un jour t'as une copine et que tu veux lui faire un bon plat, tu sauras faire comme ça. Hein. Et puis même pour toi aussi. Parce qu'un jour tu vivras tout seul. D'abord, il faut que je fasse une geste. Quel geste? Pour apprendre. Ça va plus vite? Bah c'est plus pratique. Ça c'est quoi? Des oignons. Et ça? De la ciboulette. Mmh. Tu connais la ciboulette? Mmh. Alors je mets les oignons dans mon bol. Moi, les zigounettes là? Ciboulette, pas zigounette. Ciboulette? Ciboulette. Toi aussi tu vas mettre la ciboulette là? Oui je vais mettre la ciboulette là. Il faut que tu baisses le volume de la télé. Alors, je pose ça là. Vas-y, prends. Tu prends avec tes mains. Tu fais pas tomber. Hein. Et tu mets dedans. Non. Quand c'est comme ça, je vais finir. Mais c'est bien, Elijah. J'en mets pas. Moi, je sais bien servir des petits couteaux.
tous les gros couteaux, je les aime pas. T'aimes pas les gros couteaux? Bah non, sinon je vais me couper le doigt. C'est vrai. En plus, c'est lourd. C'est lourd les gros couteaux? Oui. C'est vrai. Attends, je vois un peu. C'est mieux qu'on ouvre un petit peu. Hop, je relève le truc. Voilà. On ouvre un petit peu. Alors ensuite, c'est ce qu'on va mettre dedans. Voilà. Du citron. Oh, je vais le faire. Tu sais comment on fait? Vas-y. Tu vois, il y a rien qui sort. Tu veux que je fasse? Non. C'est pas fort, hein? Et puis le temps passe. Il y a deux gouttes qui sont sorties.